bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Passion Sport. Aujourd'hui on va voir Lens contre Clermont, 15ème journée de Ligue 1. Lens est 2ème, Clermont est 10ème, donc équipe à ne pas prendre à la légère. Et donc un match qui s'annonce très beau, c'est le dernier match avant la trêve internationale pour la Coupe du Monde. Donc c'est une saison aussi très spéciale et tout, donc un match qu'il faut absolument gagner pour les Lensois. En tout cas je l'espère, on est directement parti pour les meilleurs moments du match. C'est la mi-temps à Bollard, 1-0 pour Clermont contre le cours du jeu. Lens qui joue pas assez simple, qui est pas assez précis dans le dernier geste. Je pense à Wesley Saïd qui a raté pas mal d'occasions, à Seko Fofana qui joue pas assez collectif à des moments. Et puis le but c'est sur un corner, on joue très mal, on n'est pas assez attentif.
et on se fait prendre bêtement. Clermont a très peu d'ambition, ça se voit qu'ils jouent le match nul, ils sont très très bas en défense. Et voilà, donc il faut vraiment que Lens se ressaisisse en deuxième période si on veut pouvoir gagner et partir sereinement dans cette trêve internationale. La fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. C'était vraiment un match de fou, une deuxième mi-temps parfaite avec un Seko Fofana qui nous fait encore une fois du Seko, c'est-à-dire parfois il n'est pas excellent, il fait parfois des mauvais choix, mais c'est toujours l'homme le plus important parce qu'il permet à Lens de gagner ce match. Toute l'équipe a été encore une fois à la hauteur. On termine deuxième de cette première partie de championnat et on part très sereinement dans cette trêve internationale de la Coupe du Monde. On peut peut-être commencer à rêver une potentielle Coupe d'Europe, mais bien sûr on en est encore loin, donc il faut être très humble et continuer à jouer les matchs, match par match,
En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important pour la chaîne et c'est gratuit. C'était Passion Sport et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.